And we sound like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. La crème, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit vlog, dans ce nouveau vlog. On va passer la journée ensemble. Aujourd'hui, j'ai rien prévu de spécial à part que j'ai reçu un colis. Faut que je vous montre ce que j'ai reçu dedans. C'est un colis de la Beautiful Box. En fait, ça s'appelle plus Beautiful Box, ça s'appelle Gloria. C'est la box Gloria. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je pensais que j'allais pas la recevoir parce que je me suis désinscrite de cette box. Normalement, c'est le 2, le 3 qu'on la reçoit. Aujourd'hui, je crois qu'on est le 16 et je l'ai reçu qu'aujourd'hui. Ouais, on est le 13. J'ai reçu que le 13, alors c'est bizarre, mais je pensais que j'allais pas la recevoir, mais qu'ils allaient me prélever quand même tous les mois. J'étais un peu inquiète, je vous en avais parlé dans le vlog dernier. Mais en fait, non, ça va, ils m'ont envoyé la box, donc ça va, je suis contente. C'est un stress en moins pour moi. Après, il faudrait que j'aille au Super U faire des courses, acheter des flocons d'avoine, quelques trucs comme ça. Assez clean, assez healthy. Je vais faire du sport, il faut que je vous parle de mon ventre et sur la ceinture abdominale. Faut que je vous dise quelques trucs, j'ai quelques trucs à vous dire, faudrait que je vous en parle. Donc je vais faire mon sport. Et voilà, je vais faire des séances abdominales avec la ceinture, d'électrostimulation. Quoi d'autre? What else? What else? What else? Voilà, c'est tout. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans la box Gloria. Je suis contente de ce qu'il y a dedans. Je suis assez contente de cette box-ci, du mois de février. Donc elle s'appelle Walk of Fame. Donc laissez-moi vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc déjà, on a un mascara Nabila Beauty que j'ai hâte d'essayer. Donc c'est un mascara de chez Nabila Beauty. La brosse, elle est assez moyenne. Ni grosse, ni petite. Elle est assez fine même. Ouais, elle est fine la brosse. Il y a des petits picots en poils de je ne sais quoi. C'est pas du silicone. Je pense pas. Mais le packaging est très joli. Après, il faudra voir si je l'aime bien sur mes cils. J'espère. J'ai tous mes espoirs dans ce mascara. Après, de la marque La Rosée, j'ai une crème hydratante pour peau sèche. Donc c'est une crème très hydratante, très riche, pour le jour et la nuit. Elle sent super bon. J'ai envie d'en mettre. Mais j'ai pas de miroir. Je vais en mettre un peu. Un petit peu. Elle sent super bon en tout cas. Un peu suffit, hein. Elle a l'air super riche la crème. Ouais, j'aime bien la crème. Je sens que ma peau elle est très hydratée là. Je sens un peu de gras sur ma peau par contre. Elle est bien grasse la crème. J'aime bien les crèmes assez grasses, assez riches. Que je peux utiliser comme crème de jour ou comme crème de nuit. Après, de la marque Elikia Beauty, j'ai un rouge à lèvres que j'ai envie d'essayer. Je pense que je vais tout essayer, même le mascara. Qu'est-ce que vous en dites si j'essaye tout en même temps que je vous le montre? Je vous ai pas dit quel jour on était aujourd'hui, on est samedi. Donc de la marque Elikia Beauty, on a un rouge à lèvres liquide mat. C'est un rouge presque rose, mais bien rouge quand même. Assez rouge, rouge vif. Je vois déjà que le rouge à lèvres, il est pas mat. Ça me fait penser à... C'est pas rouge non plus, c'est rose. Rose-rouge. Ça me fait penser au rouge à lèvres des coréennes. Parce qu'il est plus clair à l'intérieur. À l'extérieur même. Il est pas du tout opaque, il est pas du tout pigmenté. Regardez. Peut-être c'est une marque coréenne. Hein. Je suis pas convaincue. Mais bon, à retester, à voir. Pour l'instant, je suis pas très convaincue. On a aussi un... J'aime beaucoup le packaging. De la marque Joséphine Cosmétique. On a un eyeliner. Un eyeliner waterproof. Joséphine. Je galère à faire des traits de liner, moi.
C'est vraiment une galère quand je suis un trendliner. Et enfin, ça c'est le meilleur truc de toute la box. C'est le moins cher, mais c'est le meilleur. C'est ce que j'ai préféré, avec la crème hydratante. C'est un exfoliant pour les lèvres. Vous mettez le doigt ici dans la petite poche. Prévu à cet effet. Et là, vous avez des petits picots en silicone. Et vous faites comme ça, vous frottez vos lèvres. Et ça marche trop bien, ça fait des lèvres toutes douces. J'ai kiffé ce petit gadget. Donc voilà pour la box. Et c'est tout ce qu'il y a dedans. C'est déjà pas mal. Et j'aime bien la box en elle-même, la boîte. Le tiroir comme ça. Je la réutiliserai sûrement pour ranger des trucs dedans. Après aussi, je vous ai tout à l'heure dit que je voulais faire un update sur mon expérience avec la ceinture abdominale. En fait, je me suis trop reposée sur mes lauriers au début quand j'ai vu des résultats, que mon ventre s'aplatissait et que c'est grâce à la ceinture, j'ai arrêté de faire du sport. Je me suis dit, j'ai plus besoin de faire du sport, j'ai la ceinture, ça va remplacer le sport. Énorme erreur de ma part, énorme erreur. Mon ventre, il a gonflé. En une semaine, mon ventre, il était comme au point zéro. Au tout début, avant d'utiliser la ceinture, mon ventre était vraiment très gonflé. Et la ceinture abdominale ne faisait plus aucun effet. Vraiment, ça avait plus d'effet. Alors que quand je fais du sport et que je mets la ceinture en même temps, j'ai des effets tout de suite. J'ai des résultats sur le coup. Et du coup, là, je me suis remise à faire du sport. J'ai fait du vélo, j'ai fait du gainage, j'ai marché, j'ai fait beaucoup de marches et tout. Et du coup, j'ai eu des résultats. Mais par contre, je mangeais pas très bien. Je mangeais des céréales sucrées. Je mange beaucoup. En fait, moi, mon problème, c'est que je mange trop sucré, trop de sucre. J'aime trop tout ce qui est sucré, j'aime trop ça. Et je me suis retenue au début. Mais après, quand j'ai arrêté le sport, je vous disais, j'ai arrêté le sport, je me suis reposée sur mes lauriers. J'ai recommencé à manger du sucre aussi. En fait, j'ai tenu mon régime et mon sport, ma vie saine pendant 2 semaines. Dès que j'ai vu que j'avais un ventre plat, j'ai tout arrêté. J'avais juste la ceinture abdominale, mais ça ne marchait plus du tout. Ça ne servait plus à rien du tout. Du coup voilà, là je recommence le sport et j'ai des résultats, donc je suis contente. Mon ventre il est pas trop gonflé, il est assez plat donc ça va. Il est pas mal plat, ouais, il est assez plat aujourd'hui. Donc là je vais continuer à faire du sport tout à l'heure d'ailleurs. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, si vous pensez que la ceinture abdominale elle remplace le sport, c'est pas la peine. Hein. C'est vraiment pas vrai, c'est vraiment faux. J'avais tout faux. Voilà ma tenue de sport. Bon là j'ai la ceinture abdominale sous la combinaison, du coup c'est un peu bombé à cause de la ceinture. C'est pas mon ventre, vous inquiétez pas. Il est pas gonflé à ce point. J'aime bien cette combinaison, elle vient de chez Shein. Faut que je vous montre ce que j'ai acheté au quartier arabe à la Guillotière avant-hier. Je crois que c'est avant-hier, ouais. J'ai acheté des foulards et tout, je vais vous montrer. Ça c'est par exemple ce foulard, c'est de la soie de Médine. Il est tout doux. J'aime beaucoup. Même la couleur elle est trop belle. J'ai plusieurs foulards que j'ai acheté plein de trucs, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, je me suis pas encore changée parce que j'ai pas fini, j'ai fait des séances de gainage. Et là, je vais faire du vélo d'appartement. Donc là, je voulais vous faire un mini haul de ce que j'ai acheté en friperie à la Guillotière dans le quartier arabe de ma ville. Je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, en friperie, j'ai pris juste un article, c'est une paire de chaussures qui sont vraiment trop belles. C'est ces bottines, des go-go boots, on appelle ça des go-go boots en anglais. Avec la plateforme, il y a un talon de 10 ou 12 cm, je sais pas trop. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a la plateforme là, donc ça enlève 2 cm au talon de ressenti. Et franchement, ça va vous étonner, mais elles sont super confortables. Derrière, on a le petit signe là de la marque. Je sais plus c'est quoi comme marque. J'ai ma ceinture abdominale qui s'est arrêtée toute seule. Non, c'est bon. Elles sont trop belles. Elles sont super confortables. Franchement, je galère pas du tout à marcher avec. Après... Je me suis pris une paire de mitaines, mais elles commencent déjà à s'abîmer, donc elles vont pas durer longtemps ces mitaines. Mais elles sont très mignonnes, elles sont marron, comme ça. Mais là, je sais pas si vous verrez, ça se décolle, donc ça va se déchirer. Mais je les ai achetées 5€ dans un petit magasin, donc à la Guillotière. Je sais plus comment il s'appelle le magasin, je me rappelle plus. Donc voilà ce que ça donne, j'aime trop le style que ça me donne. Roxanne, you don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right.
Je sais pas pourquoi je chante cette chanson, c'est la première chanson qui m'est venue à l'esprit. Donc voilà, les mitaines. Elles sont trop mignonnes, je trouve. 5 euros. Ça aurait été bien si c'était du vrai cuir, elles auraient duré longtemps, parce que là, elles vont pas durer longtemps, je le sens. Après, je me suis pris des foulards. Donc je me suis pris le foulard que j'ai sur la tête, là. C'est un foulard taupe, c'est de la soie de Made In, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Après, ça, c'est des deux mêmes foulards de différentes couleurs. J'ai pris ces deux foulards, un beige comme ça, marronné. Et un violet pâle, presque gris. Entre le violet et le gris. Donc voilà les deux foulards. Après, j'ai pris un autre foulard rouge aussi cette fois. J'avais besoin d'un foulard rouge. J'aime bien la couleur rouge pour l'utiliser comme foulard. Je trouve ça joli. Après, je me suis pris des épingles à nourrice comme ça. Avec une protection pour pas se piquer. Et je me suis pris des épingles comme ça. Pour mettre le hijab, le sécuriser et tout. Moi, c'est rare que j'utilise des pinces comme ça. Des épingles, mais je les utiliserai celle-là, par contre, je les utilise souvent. Et enfin, je me suis pris un déodorant de la marque El Nabil. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de parfum et de déodorant assez connue en ce moment, qui marche plutôt bien, El Nabil. Donc je me suis acheté ce déodorant. Il sent super bon. Je l'utilise comme parfum des fois. Il sent super bon. J'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà pour mes petits achats, je vais aller continuer mon sport, moi. Ça m'est rentré dans la bouche, le déodorant. Il est 13h04, je vais essayer de tenir un quart d'heure ou 20 minutes. C'est parti. On va aller faire des courses. Voilà la tenue du jour. J'ai mis mes Jordan, j'ai mis un pantalon Levi's baggy que j'ai acheté en friperie. Ma doudoune elle vient de chez Bershka. En dessous j'ai un pull avec un col de chemise, col Claudine qui dépasse. Vous avez dû le voir tout à l'heure. Je l'avais déjà. Donc voilà, on va au Super U, c'est parti. Il a neigé toute la nuit hier. Je sais pas si vous voyez là. C'est tout blanc sur les balcons, sur les voitures. Là où personne n'a marché. Mais il fait un froid, c'est abusé, il fait super froid. Il fait un froid glacial. Mais c'est trop joli avec la neige comme ça sur les arbres et tout. C'est trop beau, j'aime trop. Ça met de bonne humeur, même s'il fait froid. Je suis rentrée du supermarché depuis un moment déjà. J'ai mangé de la soupe que ma mère a préparée, c'était super bon. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait énormément de sport aujourd'hui, du vélo d'appartement et du gainage. J'ai même envie de continuer encore, je suis motivée. Donc autant en profiter. Donc voilà, là je suis en robe, en bedaya parce que j'ai fait ma prière, je me suis pas changée. J'avais la flemme, de toute façon je vais pas sortir je pense. Je sais pas si je sors ou pas. Je pense pas que je vais sortir, je vais faire du sport et tout. De toute façon, moi, je suis la spécialiste, la professionnelle pour faire des vlogs où il se passe rien du tout, qui passent à peu près, qui sont potables à peu près. Des vlogs inintéressants qui finissent par être intéressants, on ne sait pourquoi. Là, j'ai un correcteur au charbon parce que j'ai un gros bouton, il faut qu'il sèche, il faut qu'il parte. Il n'est pas invité.
J'étais en train de parler devant la caméra et je n'enregistrais même pas, je filmais même pas, je parlais dans le vide. Tout ce que j'ai dit, c'était dans le vide. Bref, je voulais vous dire, je vais aller maquiller, je vais me préparer, je vais m'habiller, on va sortir faire un tour et je vais peut-être prendre des photos pour Instagram. Mais je voulais vous dire autre chose, j'ai pris des notes et tout, j'ai préparé une vidéo sur les problèmes, les dangers de l'Instagram, sur les jeunes, les complexes que ça peut faire, la facilité à la critique que ça a amené et tout. Donc si ça vous intéresse, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo comme ça. Moi j'ai pris des notes mais j'ai peur de trop lire dans la vidéo. J'espère que je pourrai faire ça fluide, d'une manière fluide. Donc voilà, moi ça fait une semaine que je dois la faire cette vidéo-là. Mais je l'ai toujours pas faite, j'ai pas le courage. Donc dites-moi, encouragez-moi à la faire si vous voulez vraiment que je la fasse. Je sais pas, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Moi je vais aller me maquiller, je vais m'habiller. Je vais pas faire un make-up de malade, je vais surtout cacher la misère, cacher mes boutons. Mettre un peu de blush et un peu d'highlighter pour avoir une bonne mine. Je sais pas si je fais un make-up des yeux ou pas. Je vais tester le liner Joséphine. Je connais pas cette marque Joséphine, je connais la chanson. Joséphine, Joséphine, شادرتي فيا بك داك البير حنداريا روبيا روبيا شادرتي فيا هذيك صالحين كرتي تدوريا. Bref, donc. Bref, vraiment bref. Le liner, on va tester. Ah, il est pas mal. Ah ouais, pas mal. Maintenant, faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Ils sont pas du tout pareils, les deux traits. Bon là c'est à peu près pareil. C'est pas le liner qui foire, c'est moi qui sais pas faire les traits de liner. Le liner il est super bien. Bon c'est pas grave, on va laisser comme ça. Je vais tester le mascara Nabila. J'espère qu'il est bien. Bof. Il est pas mal mais il est pas incroyable. Le liner par contre il est vraiment bien. Le mascara il est pas ouf. Il n'y a rien d'exceptionnel avec ce mascara. Il n'est pas nul non plus, mais bon. Non, pas mal. Pas mal, mais il y a mieux. Voilà pour le mascara. Mais ma virgule, elle va trop loin. C'est pas mal, mais je préfère le liner au mascara. Le mascara, il n'est pas top. Il n'a même pas séché encore. Le liner, c'est moi qui suis nulle en liner, mais sinon, il est super bien. Il est facile à appliquer et tout, il est bien noir, il est waterproof, il sèche vite. Écoutez, on va y aller, let's go. Voilà, je vais faire les photos là. Je vais les faire comme ça. Voilà. Je vous montrerai à quoi ça ressemble après. Quand j'aurai pris les photos, je mettrai sur Instagram la photo en question avant que ce vlog sorte sur YouTube, hein, c'est sûr. Voilà. Voilà, j'ai pris les photos. J'ai pas fait de photo avec la neige dans les mains. Je me suis pas amusée pendant les photos avec de la neige. J'aurais voulu faire ça. J'ai pas pensé, c'est pas grave, c'est trop tard. J'ai la flemme d'y retourner et de refaire les photos. J'ai enlevé ma doudoune pendant le tournage, pendant le shooting. Je pensais que j'allais avoir plus froid que ça. Hey mes chouchous à la crème, il est 19h23. J'ai fait en tout en deux fois. J'ai fait 35 minutes de vélo d'appartement. Donc je suis contente, c'est cool. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de sport, c'est trop bien. J'ai toujours pas posté la photo sur Instagram, il faut que je la poste, je vais le faire maintenant. Je me suis remis le produit, le charbon, le correcteur de bouton sur mon bouton, espérant qu'il parte d'ici demain, qu'il soit plus là d'ici demain. On verra bien. Je pense pas que je vais vlogger demain. Ce soir, quand je vais dormir, je vous dis au revoir et je vous dis à une prochaine vidéo. Je viens d'entendre aux infos qu'ils prolongent les soldes de 2 semaines. C'est pas un truc de malade, c'est trop bizarre.
Les soldes sont prolongés de 2 semaines, j'ai vu ça aux infos, donc si vous n'étiez pas au courant, voilà. Du coup, moi, lundi prochain, lundi qui arrive, là, après-demain, je vais aller faire les soldes. Je pensais que ça allait être fini, les soldes. Normalement, ça se finissait mardi, dans 3 jours. Et en fait, dans 2 semaines, ça se finit. C'est long, en plus, 2 semaines, ça m'a trop étonnée. On dirait une blague, tu sais, que c'est pas possible. Pourquoi ils prolongent de 2 semaines les soldes? C'est trop bizarre. C'est pour permettre aux commerçants de vendre et tout, vu qu'il y a eu la crise pendant le confinement. Donc voilà. Les photos, je vous ai pas dit, elles sont toutes éclatées, il n'y en a pas une qui me plaît. Donc, je veux même plus entendre parler de ces photos, elles sont éclatées. J'en ai pas publié une seule sur Instagram, j'aime pas du tout ces photos. Elles m'ont pas plu. Sinon, il faudrait que je change d'endroit pour prendre les photos. Faudrait que je me trouve un nouvel endroit pour prendre des photos jolies. Parce que cet endroit, je l'ai trop squatté pour prendre mes photos. Ça saoule, toujours le même fond, il faut que je trouve un truc plus original. Plus joli, quoi, pas original, mais un truc joli. Voilà, sinon quoi d'autre? Je vais boire mon Candy Up. À la vanille. Alors, je vous ai dit, j'ai rajouté 35 minutes de vélo. J'ai fait 35 minutes de vélo en tout, en 2 fois. Et là, j'ai rajouté un quart d'heure, du coup, en 3 fois, j'ai fait 50 minutes. J'ai fait 1 heure de vélo, vous vous rendez compte? En 3 fois, je l'ai fait, mais quand même, 1 heure de vélo par jour, c'est incroyable. Purée! Je suis fière de moi. 2 hours later. Il est temps de se laver le visage, de me démaquiller. Je sais pas ce que j'utilise. Soit j'utilise le nettoyant Estée Lauder, soit Estée Lauder ou Neutrogena. Quelle team vous êtes? Estée Lauder, Neutrogena. Estée Lauder, Neutrogena. Je suis trop mauvaise à faire des choix, moi. J'arrive jamais à faire des choix. Je vais utiliser le Estée Lauder. Je sais pas quelle heure il est, donc je peux pas vous donner l'heure. Et j'ai trouvé ça dans ma salle de bain. J'ai failli l'acheter à Sephora, c'est ma mère qui l'a acheté. Mais elle l'a acheté un moment déjà. C'est une lotion tonique de chez Clarins. Je vais l'essayer tout à l'heure quand je me serai lavé le visage. Voilà, je me suis lavé le visage. J'ai les manches toutes mouillées. Je vais me mettre en pyjama et je vais mettre mes soins sur mon visage. Alors, je voulais tester, je vous disais, la lotion tonique Clarins. Je vais en mettre sur un petit coton. C'est une lotion à la camomille sans alcool pour peau normale à sèche. Ou sèche. Ça sent super bon. C'est bizarre que ça sente aussi bon alors qu'il n'y a pas d'alcool. D'habitude, quand ça sent bon, quand il y a un parfum, c'est qu'il y a de l'alcool. J'ai plein de boutons. Écoutez, je vais utiliser la crème hydratante de chez La Rosée que j'ai reçue dans ma box ce matin. Demain on est dimanche, je peux même pas recevoir mes colis, j'attends plein de colis en ce moment. Ces jours-ci, il y a plein de colis qui devraient arriver chez moi, pour moi. Ce que je vais faire, je vais prendre de l'huile d'arbre à thé, je vais en mettre sur mes boutons. C'est une bonne astuce anti-bouton ça. Maintenant, je vais mettre ma crème hydratante. J'aime bien cette crème. J'ai senti mon visage toute la journée bien hydraté. En crème de nuit, ça doit être le top. Je vais mettre mon soin anti-tache de chez Laven. Je vais utiliser mon correcteur, le truc gris que j'avais tout à l'heure sur mon bouton. Mon correcteur au charbon de chez Bosquiat que j'ai acheté à Sephora il y a longtemps, il y a un an.
Il est toujours plein le flacon, c'est incroyable. Donc je vais utiliser ça sur mes boutons. Ah, ça picote. Pourquoi ça brûle comme ça? Et un truc que j'avais envie de faire tout à l'heure que j'ai oublié, je vais m'exfolier les lèvres avec le truc que j'ai reçu dans ma box. J'ai les lèvres toutes douces. Elles sont trop belles mes lèvres comme ça. C'est moi où je plane? C'est moi où je plane? C'est moi où mes lèvres elles sont plus belles que tout à l'heure? Que j'ai toujours eu des belles lèvres, que je m'en rends compte que maintenant. Je pense que c'est surtout ça. Je veux pas me la péter hein, en disant que j'ai une belle bouche. Mais bon, bref. J'ai failli oublier, très important, la brume hydratante. Ah. Voilà, j'ai fini. Mes cheveux à la crème, moi et ma tête de calculatrice. Ou de pizza aux anchois, au revoir. On vous dit au revoir, le vlog est fini, je fais plein de bisous. Mouah. J'espère que ce vlog, vous ne serez pas passé de spécial, vous a plu quand même. Je fais plein de bisous. Mouah, mouah, mouah. Et n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un petit like, un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.